Et voilà, fin des publicités. On re-switch l'affichage. Normalement, c'est tout bon. On coupe la musique. On remet Hunter the Gungeon. Et on fait reprendre. Et on y retourne. Et salut Psyska. Et je vais bien, Quentin. Je te remercie. Non, il n'y aura pas de cosplay pour Dark Souls 3. Faut arrêter. Pourquoi un cosplay? Pourquoi? Alors, on est là. Ah, il y avait un. Il est juste à côté. Ah oui, mais j'ai pas de clé. Donc, il va me dire rentre chez toi. C'est ça. On verra. À la fin du niveau. On est où? Ouais, allez, là, il y a pas mal de choses. Salut Frost Marvel! Ah bah non, c'était le boss ici. Ok, donc on va retourner. Par exemple, en espérant que ce soit communicant. Il m'a déterré un peu dit. Il est mignon ce petit chien. Ce petit toutou. Oh mince. Pas de petite clé, rien du tout, non. Du coup, on va aller exploser la salle du coffre. T'es où? Non, j'ai pas de TP pour y aller. Bon, on va aller exploser le coffre. On va pas gâcher nos munitions. On a gagné un magnifique. Rien du tout. Ah oui, ferraille, en fait, c'est pourri. Ça veut dire que t'as rien eu. En même temps, si Crane fait un cosplay Dark Souls 2, il a juste à trouver un pan, c'est ça. Pourquoi je me téléporte pas? C'est une grande question. Il est l'heure d'aller mourir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme ennemi? On va avoir lui. Je vais me faire toucher combien de fois? 3 fois. Enfin, 2 fois. Ça. Oh non, elle a bougé la petite boulette. Ah mince, pourquoi? Ah, ça a pas marché. J'en ai encore une pourtant. J'ai pas compris. Mon A il a pas fonctionné. Pourtant ça me disait que j'en avais encore une. Tristesse. Sur la table il y avait pas un truc. Aucune idée. Bon je l'aime bien elle avec son arbalète. Un petit instant. Ok. On y retourne. Je suis nouveau sur le stream pour voir Crane et d'autres chaînes ou que celle-ci. Eh bien, c'est Crane underscore live, K-R-A-Y-N underscore L-I-V-E. Voilà. Je stream tous les soirs. Quasiment tous les soirs. Ok. On va tourner avec cette arme pour tuer cela. Ok, et on peut re-switcher d'armes. C'est tout? Ah, c'était bien cette salle. Elle était bien. Mais non! Fini? Okay. Donc là, on a un marche.
avec une salle à côté. Alors, il y aura un magnum si on veut, un cœur entier, et là c'est quoi? Un pistolet de détresse, très bien. Salut Rosato, salut Ulgroz, salut Dark Alenzo. Eh bien cette arme mais faut être précis. Oh non! Oh la tristesse. Tristesse ultime. Ok. Ah, une nouvelle arme que je ne connais pas. L'arme inachevée, chaud devant. C'est quoi, c'est un lance-flamme? Ouais, bon, on va voir. Sans l'arnaque. Oh, j'ai oublié une clé en bas. Oui, la clé, merci, merci. Souris clavier. Il y a quoi là-haut? Quelque chose pour ma collection, je paye un bon prix. Bon, je sais pas quoi. J'imagine qu'il faut lui jeter des choses. Du coup, j'ai pas désactivé le raccourci ici, mais c'est pas grave. Bye, Bulbose, repose-toi bien. Voyons voir cette arme. Poison te permet d'échanger tes armes contre de l'argent. Quand tu drops l'arme au-dessus de lui, il fait spawn des d'argent et d'or. D'accord, très bien. Et salut Ginko. Une arme avec un timer, elle meurt. D'accord. J'ai pas intérêt à la vendre justement. Enfin la vendre. Ah, de la vie, ça c'est bien ça. Donc là on peut pas passer. Oh, les erreurs bêtes en voulant aller vite. Cocktail Molotov, donc le truc qui fait apparemment très mal. Ok, est-ce qu'on a des choses normalement? Là, on est bon. Non, juste en bas. Je trouve le jeu super relaxant à regarder en stream Guillaume Céleste. Oh, un coffre. Qu'est-ce que c'est que ça? Hiver précoce, donc glacé. Faut attendre avant que ça se recharge. Ça. Prendre le cocktail Molotov. Salut Litcap.
Elle est où? Il est où le boss? Il est là. Comme ça. On va jeter le molotov à l'endroit où il va atterrir et il va prendre cher. Si on arrive à survivre jusque-là. C'est un peu. Ah, je peux pas. Ah non, mais c'est hyper long à recharger en fait. D'accord. Donc en fait, je ne vais pas utiliser mon téléphone. Je suis mort, je suis mort. J'ai tellement de mal avec ce jeu. Ah là là, je suis trop vieux. On y retourne. Ok. Ah. Mais t'assois pas sur ma main. Voilà. Ce chat de la non-gêne, hein. Je sais même pas si vous le voyez, non vous le voyez pas. Déjà. Du coup on va pas prendre tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Le plastique, c'est fantastique. Ouh, ça a l'air bien. Ah bah non! Il a piqué mes... Merci, espèce d'incapable. Enfoiré! Il a piqué mes munitions! Alors, je finirai peut-être plus tôt ce soir, Eden, juste pour pouvoir configurer pour demain Dark Souls 3. Vu que je suis pas chez moi. Ce soir, à mon avis, je vais finir tôt. Non, enlève. Mais. Ah! Ah! J'ai une patte de chat sur. Mais enlève ta patte, sérieusement. Il pousse le doigt avec ta patte. Non, 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 non. Ce n'est pas un jouet. Ce n'est... Mes doigts ne sont pas un jouet. Pas les griffes. Voilà. C'est pratique. Hyper pratique pour jouer. Très très pratique. Extrêmement pratique. Et on peut pas aller au marché en marron. Ok.
patte de chat ne porte pas chance, c'est pas comme les lapins. Ah mais non. Faut reprendre des munitions. Là, il n'y a rien du tout. T'es relou, sérieusement t'es relou. Là, tu la poses là ta patte, voilà. Ah, nouvelle arme qu'on connaît pas. Gratte lune. Non, regarde pas comme ça. Moi j'aime bien. J'aime bien. Oh bah non. Petit peu le bordel cette arme. Bon, par contre, je vais mourir, du coup. Très bien. Et du coup... Ah, du coup, c'était la même entrée. D'accord. Bouclier aux dégâts. On va voir par là. Oui, j'ai vu, attention, munitions. Allez, deux Billy. Mon arme préférée pour l'instant, ça reste celle qui met les zones de poison. Oh non! Ah non! Non! Ah, non, il était presque mort! Il allait mourir! Il allait décéder! Il allait retourner! D'autre part. Il m'aurait hein, pas mis la patte sur la main tout à l'heure. Peut-être que j'aurais eu une demi-vie en plus et que j'aurais pu le tuer, hein. J'espère que tu t'en veux énormément. Je le vois dans ton regard que tu en as rien à foutre. Ah oui, j'ai oublié les balles à blanc. J'ai un problème moteur.
ou c'était lui? Toujours pas fini? Toujours pas fini? Mais c'est quoi cette salle? Par contre, on va jouer tout. C'est bon. Et les items que tu gardes d'un try à l'autre, tu recommences toujours à poil? Tu recommences toujours à poil de ce que j'ai vu, mais peut-être qu'il y a des choses qui changent. L'arbalète COP. Ouais, on est d'accord. J'aime bien. Ça devient n'importe quoi, les fans de handicap de Kring. Oh non. Déception, tristesse. T'as eu tellement de vie. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ça manque de dindons par ici, tu m'étonnes. Coffre? Non. Mais enlève ta patte. Enlève, sérieux. Je vais te la manger, ta patte. La chance que je sois. Que je mange pas les chats. Ouais, ça te fait rire, ça, de mettre ta patte là. Ça, c'est marrant, ça. Hein? Ouh, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air génial. Ouh là là, la fourmi du Gungeon. Formidable. You are the one. Fourmi. Fourmi. Oula. 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 Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était? C'était violent. C'était extrêmement violent ce qui vient de se passer. C'était la violence même. Je n'ai pas tout compris. Ceci est l'arme la plus nulle du jeu. D'accord, merci. Ah, j'ai voulu retourner d'où j'étais, mais c'était une mauvaise idée. Oh, mais saleté de... Merci. Oui, alors, merci. J'avais pas besoin que tu mettes pause. J'étais dans ma game, là, j'étais bien. Tu veux t'allonger sur le bras qui tient la souris maintenant? Non? Tu veux venir? Tu fais quoi? Décide-toi. Il est où ce fantôme? Il est là. Voilà. Il y a encore des ennemis? Pourquoi ça a ramassé ça? D'accord. Je ne sais pas. C'est marrant l'arbalète parce que ça t'entraîne à bien viser. C'est fini? Ah, je suis content de cette salle. Vous avez bien géré. Mais non, il a pas faim. Je vais bien le manger. C'est un chat en poil de capra, exactement. Y'a Maxime. Ah d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça?
arme extraterrestre brise-bouclier. Ça a l'air génial. Je sais pas ce que ça fait, mais ça a l'air génial. Ça a l'air de pas faire de dégâts. Des trucs quelque part. Je sais pas où, mais reste des trucs. Ah, ici. Oh non! La tristesse. Ça aurait pu être la panique. En fait, elle a l'air quand même bourrine. Ah, une bague. Anneau de résistance au feu. Pas de brûlure. Oh, ça a l'air bien. Il me faut le cocktail Molotov ou je sais pas quoi, ou l'arme de tout à l'heure qui met le feu partout. Ça a l'air génial. Je prends plus de dégâts des flammes. Tu disais pas que Modi voulait un chat, non. Elle m'a reconfirmé. Mais dans une maison, tout ça, moi je suis pour. Ouais. Encore ? Nuise à la santé, j'ai des cigarettes. Je sais pas ce que ça fait, mais ça a l'air génial. 55 dans la masse, armure. Méga roseur, l'armure est à 25. Prends ça et puis. T'es invulnérable aux flammes. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Spam de napalm. J'en ai pas. Les cigarettes up la chance. Ah, j'en ai besoin de la chance. Alors, est-ce qu'on a fini? Oh vas-y. Tellement d'injustice. De dégâts sur le truc d'avant. Et nous avons Snap. Oh bah non, je peux pas le dire, c'est sur Gaming Live. Merci Snap, des bisous. Merci beaucoup. Une nouvelle arme. Un canon à t-shirt. Lavage à la main uniquement. Ça a l'air génial. On a un canon à t-shirt. Non, j'ai été étage 2 seulement. C'est moi, je commence le jeu. Je sais pas du tout ce que ça fait cette arme. Ça va être la surprise. Allez, ça. Mince. Ah,
Non mais je comprends rien, ça fait des t-shirts qui sont... Vous savez que c'est fini. Hein. Non. Ça tire des t-shirts avec le logo du donjon. C'était génial, c'était génial. J'y arrive pas. Plus de marketing agressif. C'est pas mal. Allez, on a rien vu. C'est fini, c'est fini. Qu'il a des clés mais qu'on peut pas les acheter. Allez. Je sais pas ce que c'était mais les sorties directes. Hein. Dans le doute, tu. Fusil de chasse. Armé et chargé. Ah mais il est chouette ce jeu. Il est vraiment très chouette. Hein. Moi j'aime bien. Oui, il est où le chemin? Je suis imprégnant. Hop. C'était bien. Parfait. Oui, plutôt propre cet étage pour le moment. Le boss. Donc j'ai acheté une clé avant de partir. Ok. Déjà ? D'accord, c'est rapide. C'est une bonne arme, ça, j'ai l'impression. Voilà, ça fait tout. Thank you.
Ok. Manette ou souris? Souris, largement. Me concernant. Je vais... aller acheter une clé, voire même deux clés. On va retourner ici. Je me suis pas fait toucher sur cet étage, c'est plutôt cool. Ah, un nouveau truc, on sait pas ce que c'est. Bullet time au ralenti, ça j'imagine que ça peut être assez sympa. Une stopwatch à utiliser. N'oublie pas les balles. Vraiment fait tout l'étage jusqu'au boss sans me faire toucher. Première fois. Première fois. Alors le boss il est où? Le boss il est ici. Ah là là, mince c'est là. Mais il y a un boss, je peux pas. À moins que je puisse faire pause. Il y a une pause sur ce jeu. Mais oui, il y a une pause. Eh bien, le boss, ce sera après la publicité. Comme ça, c'est bien. Hein? Ça met bien la pression. Vous savez pas. Voilà. Parce que j'ai pas de cœur. Parce que voilà, vous vous dites, ah, ça y est, il gère bien un étage et tout. Il va faire le boss. Ça va bien se passer. Eh ben non, vous le saurez pas. Vous le saurez que dans 5 minutes. Voilà. Et des bisous à tout de suite. Je vous mets de la musique. Mais quoi comme musique? C'est quoi ça? Saga Frontier. Ça a l'air très très bien. À tout de suite. Bisous.